je suis le capitaine Charles Patnaud du Romano Fuffard. Non, on peut pas vivre sur cette planète. Mon nom est Claude Legault. Flavien Bouchard. Réal Bossé, alias Serge Landroïde. Vous n'êtes que capitaine par intérim. Oui, là. Stéphane Crête, alias Brad Spitfire. Je m'appelle Sylvie Moreau, je joue le rôle de Valence Leclerc. C'est Petrolia Parento Stanislavski. Alias Mélanie Ménard, bien sûr. Hey, Herbie, tu t'es-tu déjà vu quand tu dors? Viens voir. Regarde, qu'est-ce que t'as là. C'est rare, hein, que t'as l'occasion de te voir. Tu veux décider de lâcher votre sale bombe propre sur la planète? On va vous détruire. Lorsqu'on t'a dit, on t'a parlé du projet de film... Est-ce que tu y croyais ou tu as été surpris que ça marche? Ben, je pense que c'est vraiment des petites marches. Tu vois, on a fini la série là, 2 ans. Puis quand on a terminé, Claude a tout de suite dit on devrait faire un film. On y croyait, mais pas. On savait pas si on allait être bedonnant, tu vois, quand on allait faire le film. Parce que si ça se faisait dans 15 ans, on n'aurait pas eu le même casting. Hey! Écoutez-moi bien, là, vous, capitaine G. Brock! Vaisseau Romano Fafard aussi, il y a beaucoup plus de trucs. Oui, il y a eu une cure de rajeunissement. Oui, un lifting? Un lifting, oui. C'est un petit bras. Il y a quand même des accessoires qui ont été récupérés de la série, parce qu'on veut quand même que le vaisseau ressemble. Hein? C'est quand même le même vaisseau. Mais on sent qu'ils l'ont upgradé un petit peu au cours des années, parce que 5 ans ils sont partis. 5 ans ils sont partis. 5 ans, pas de femme. Ah non, c'est pas ça. Il y en a qui travaillent comme toi, puis il y en a qui dorment. C'est vrai, c'est parce qu'on fait des grosses journées, on commence très tôt. Surtout les filles qui ont beaucoup de cheveux comme moi. Où je commence à 5 heures du matin. C'est vrai? Mais vraiment, le noir qui dort, il n'y a pas de raison de dormir derrière. Il est arrivé à 10 heures. Le capitaine n'est pas dans cette scène. Non, donc, pas il est sur une planète. Oui, il est sur une planète. Quelle planète? Je peux pas te le dire. Je vais me faire crucifier. Il paraît que dans le film, à un certain moment donné, vous perdez un membre d'équipage. Vous essayez de faire parler tout le monde. Non, moi je suis. Non, c'est vraiment une surprise. Et il faut donc la garder comme telle. C'est pareil, hein? Il était écœurant.